Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode donc de Papy Corse éclate sur Arc Survival. Donc nous partons pour une nouvelle aventure. Nous sommes le jeudi 31 janvier 2019, il est 18h32 et c'est parti. Je vais juste lancer le Twitch Fantagelo. Voyons voir, voilà, on va commencer le streaming, c'est fait. C'est parti. Voilà, donc j'ai toutes mes frusques, je cherchais mon aigle. Mettre mes lunettes parce que je vais rien voir encore. Hein. Hop là, voilà. Voilà, c'est parti. Alors, une erreur survenue, si tu veux, on va relancer le truc. Ok, ça marche normalement, ça doit fonctionner. On va attendre un peu. Voilà. Alors, on fait pas ça des noces. Ça ne fonctionne pas. J'ai pas de retour de Twitch. Se fasse-t-il? Alors le poids, l'énergie. Alors on va fermer et on va remettre. Ça va être la meilleure solution. Hop. Voilà. Again, again, il faut. Voilà, ça va fonctionner. Alors, je vais prendre un petit peu. Voilà, ça fonctionne. C'est du tout bon. J'ai du retour. Impeccable. Voilà. Donc, il me faut manger. Il me faut un peu à manger. Oh, on va essayer de se faire. Beaucoup de métal là. Ah si, là un peu. Il faut que je refasse ma pioche, moi. Let's go. Salut Garbix! Comment vas-tu? Tu vas bien? La première fois que tu viens Garbix, non? Il me semble. J'ai jamais vu. Ton jeudi s'est bien passé? Pas trop froid? Ça s'est radouci un petit peu quand même. Là, tu m'étonnes. Oh, c'est lourd. C'est lourd dingue. Mettre ça là-dedans. Hop. Je crois que j'en ai. Il me semble que j'en ai. Ça a brûlé, ça fera toujours ça. Hop. Ça, c'est bon. Tu es parti, Garbix? Ah non, t'es là. J'arrive pas à lire le 120, le 720. Ah bon? Faut que t'ailles en 460 alors, non? 360, je veux dire. Ah, c'est dommage. Ah, je suis plein là. Hop. On va mettre un petit peu là-dedans. Moi.
Tu peux pas le mettre en 360. Bon, après, je vais essayer d'aller voir s'il y a des alphas dans le coin. Ramener un petit peu de minerai. J'en ai pas. Si, 168 alors. Allez, on va déjà faire cuire tout ça. Caillou aussi. Ok. Petit caillou là-dedans. Ok. Allez, c'est parti. On va mettre le silex là-dedans. Non, c'est ça qu'on met dedans. Hop, allez, on y va. On va voir si on peut se faire des petits alphas. Ah, attends, faut que je répare ma pioche, moi. Oula. Il n'y a pas les autres réglages d'habitude, tu les mets, mais pas là. Ah ouais, d'accord. Aïe. Qui c'est qui est avec moi là? C'est Patricia ou c'est. Ou c'est Paco? Ou c'est Foufou? Ah ouais, j'ai du partage d'XP. Donc il y a quelqu'un qui est avec moi. Je crois que j'étais tout seul, mais non, il y a du monde. Bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je voulais? Je sais plus là déjà. Oui, réparer ma pioche, c'est cela. Allez, hop, on essaie de réparer ça. Qu'est-ce qu'il me faut? C'est si je ramène du minerai. Allez, où ma pioche? Ah, c'est j'ai trop de trucs. Ok. Bon, c'est quoi ça? Passerelle en bois. Bon, ça peut peut-être servir. J'en sais un des gourdes. On en a plein. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Hop. Allez. Allez, je peux réparer. Nickel. Wallagen. Bien. Ça, c'est bon. Alors. Bon, on va voir si on voit des petits alphas là. Histoire d'augmenter notre niveau d'expérience. Ah, il a démonté sa maison. Ah ouais. Ah bah non. Bah si. Oh, il a démonté sa maison. Tant pis, hein, une bonne raison. Bon, les petits alphas, raptors ou carnot, hein. Rex, ça va faire jeune peut-être. Hein. Quoique. Ah ouais, allez, je peux tenter le Rex. Je finirai en corps à corps sinon. Allez, on y va. On y go. Alors, voyons voir. Une petite bête rouge. Pour l'instant, il n'y en a pas. Là, c'est quoi? C'en est un, c'est un raptor, mais est-ce qu'il est rouge? Est-ce que c'est un. Ça n'a pas l'air, hein? On dirait pas, hein, non. Ça en était pas. Hein. Allez, on essaye d'aller voir un peu plus loin. Par ici.
alpha là. Pour l'air. Ça c'est quoi, un Spino? Spino il est tout le temps là, je le tue à chaque fois et à chaque fois il revient lui. Donc c'est pas le Spino qui m'intéresse. C'est des alphas. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est quoi, un Carnot? Normal. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a là? On a un Raptor. Il est normal celui-là. Il est normal ou il est rouge? Si on fait ça. Il est normal. Bon. Ça c'est quoi là-bas? Un Baryonyx. Ouais, c'est un Baryonyx, ça m'intéresse pas. Ah, ça c'est un Carnot normal, c'est celui de tout à l'heure peut-être. Ouais, pas grand chose d'intéressant. Ouais, c'est pas grave, on va chercher le minerai. Hein. On va chercher du minerai et des cailloux. Hein. Où c'est qu'elle est la petite. Je suis à la forêt rouge déjà là. Bah oui. On va chercher le minerai et la forêt rouge sinon. Hein. Petite montagne, elle est là. Hein. Ah, j'ai quelque chose là. Voilà, un petit alpha là-bas. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. En plus, on est au pied d'une falaise, ça devrait le faire. Juste pour avoir un petit peu plus d'expérience et monter de niveau. Bon, il n'y a pas de danger là, j'espère. Que je fasse attention, le 7. Oh, ça y est, il y a du danger, évidemment. Allez, dégagez là, voilà, plus de danger maintenant. Hein, normalement, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous êtes... d'accord, ok. C'est bon? Non? Pas encore. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'il y a là, cette souris, là? Hein? Allez, t'es où, toi? T'es là-bas. Allez, 6. Oh, il y en a deux. Aïe. Il y en a deux. Ça, c'est pas bon, ça. Ah, puis j'ai pas à bouffer. C'est pas bon parce qu'ils se multiplient les... Ouais, touché. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ton pote? Oh purée. Oh, t'es coincé toi. Si t'es coincé, ça m'intéresse. Ça m'intéresse si t'es coincé. Ah purée, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Purée, je ne touche pas là. C'est quoi cette... On va s'approcher. C'est quoi ce truc là? Vas-y, approche-toi. Voilà. Peut-être que de là, ça va être mieux. Si je m'allonge, ça va peut-être être mieux, non? Voilà, ça va moins bouger. Ah, il se multiplie. Ah, il a bougé. Pas fait. C'est lequel? C'est celui-là. Ah, oh, purée. Ah, zut, ça m'énerve. Salut, Satnea. Excuse-moi, là, je suis en plein... pleine galère. Purée. Ah, touché. Voilà, touché. Allez, viens, viens là. Là, c'est là qu'il faut aller. Ah, vous êtes tous les deux là en plus. Bon, faudrait pas que je tombe. Hein.
Je serai pas dans la mouise sinon. Voilà, reste comme ça, voilà. Bouge pas. Oh, vas-y, il faut recharger. Allez, dépêche-toi. Il est bloqué là, c'est bon, vas-y. Mais non, bouge pas. Reste là. Oh purée. Ah, c'est la galère. Vas-y, bouge pas, mais. Purée, va te vermifuger, je sais pas, t'as des verres ou quoi. Oh là 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 là. Voilà. Ah, puis ils sont deux. Ils... que je tombe hein. Si je tombe je suis mort. Purée, il est là, je le vois pas. Et toi vas-y, reste là, là c'était bon là, vas-y. Voilà, en pleine tête là mon pote. Allez, c'est quand même un mythique que j'ai hein. Voilà, bouge pas, bouge pas. Allez, je vais avoir assez de balles. Voilà, viens ici. Voilà, bouge pas. Allez. C'est qui est l'autre? Allez, reviens là. C'est qui est? Voilà, viens ici. Voilà, bouge pas. Pas vrai. On est coince-toi, je sais pas, fais quelque chose. Oh là là, purée. Un truc 52 balles, j'ai déjà utilisé 48 balles. Non mais c'est fou là. Je m'excuse, hein, salut à tous. Hein. Ouais, c'est un alpha, salut Dakino. Ah ouais, ça me... Ah ah, tu montes là un peu plus. Vas-y, coince-toi, ça serait bien si tu pouvais te coincer mon bézo. Mais oh, mais qu'est-ce que tu fais toi? Non, oups. Là. C'est pas possible. Tiens, regarde-moi, comment que ça saute ça? Vas-y, c'est des kangourous ça ou quoi? Allez. C'est pas possible. On faire deux en même temps, c'est pas vrai, non? Pff, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, là? La pleine lune ou quoi, là? Ils sont excités, là. C'est guidé. Vas-y, bouge pas, voilà. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être que je descende, hein. Je vais descendre, on verra bien. Hein. Si je me mets là. Je prends des risques, hein, non? Je prends peut-être des risques si je me mets là. Voilà. Regarde-moi ça, comment il court. Ah, c'est le Galluminus que j'ai vu. Vas-y, mange-le, vas-y. Purée, c'est pas vrai. Allez, mange-le.
Allez, au moins là. Et c'est à quel niveau ça, oh? C'est quel niveau ça? Ah, quand même, 45. J'ai pas gagné grand-chose, hein. Allez, ça aussi, on va faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Une arbalète. Ouais, tu parles avec ça, mon pote. Ben. Ouais, salut à tous, salut Foufou, hein, salut Darkino, salut Satnea, salut à tous. Hein. Je m'excuse, hein, j'étais en pleine action. Ça va, ça va? Ah, j'en ai un autre là-bas. Il me reste combien de balles? 4 balles, c'est tout? Ouais, laisse tomber. C'était 4, 11, 11 balles. Ouais, non. Ah, il me refaut des balles. Bon, bah, je me suis fait un petit. Hein. Ok, je vais peut-être mettre la nourriture dans le lait, comme ça il va manger, petit bonhomme. Voilà. Viande de qualité, j'en ai pas besoin. Bon, si c'est un petit niveau, je peux peut-être essayer de me le faire encore à corps. Hein. Pourquoi pas? Je lui mets les 11 balles et puis après je vais le finir encore à corps. Non, mon Titi. Qu'est-ce que t'en penses? T'en bouge pas par contre. Ouais, toi si je te loupe aussi. Ah. Il s'en va. Lui. Oh bah laisse tomber. Laissons tomber. Alors. Ouais, ça XP bien, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah ouais, tu montes là, hein. Tu montes pas mal de niveau avec. Hein. En plus, c'est là où t'as des armes de couleur aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais, moi? Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais aller chercher du métal. Voilà, là-bas. Ça va, Foufou, impeccable. Hein. T'as été voir ton pneu radon, Foufou? T'as une dizaine de niveaux à lui mettre. Hein. Ouais, je les mets pas, hein. C'est ton terrain, hein. Tu le gères. Hein. Il y a la selle à l'intérieur. Hein. Ouais, j'ai augmenté pas mal d'XP là. Je vois ma petite flèche là, elle a bien grimpé là avec l'alpha. Alpha 45, c'est pas négligeable. Voilà. Allez, on va prendre un petit peu de métal. Ah, vous avez passé une bonne journée là, tous là? Ah, t'as pas pu aller le voir? Bon, écoute, hein. Enfin, je le nourris toujours, hein, t'inquiète. Hein. Il est nourri. Allez, hop. Ça c'est bon. Je sais pas ce que j'ai eu comme arbalète, je vais aller voir. Bon, ça va être une rare, non? Ouais, c'est ça, une arbalète rare, hein. 164% de dégâts quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. On va peut-être la donner à Paco s'il la veut. Il va être content là pour tamer les dinos, c'est pas mal ça. Ah, pas de problème, Foufou, normal, hein. Par contre, les niveaux, tu lui mettras, Foufou, hein. Je sais pas si tu veux les mettre dans l'énergie, le poids, la vie, je sais pas, ou l'attaque. Tu verras par toi-même. Hein. T'es toujours au boulot, Darkino? Ah, d'accord. 19h.
Tu finis à 21h, non? C'est pas ça? Il y en a beaucoup qui terminent à 21h. Qu'est-ce que je fais, moi? Okay. Là, je vais pas pouvoir me connecter. J'ai pas le PC. Ouais, bah demain, si tu veux, foufou. Ou un autre jour, je sais pas, hein, t'inquiète. Hein. Vous avez un PC pour deux? C'est une fois sur deux, tu l'as. Les jours impairs, tu l'as pas. Donc tu l'as quand je suis sur primitif, alors. Ah, bon courage, hein, Darkino. Hein. T'as encore 2 heures. Hein. Bon, je me fais un petit peu de. Bon, ça va, je me suis fait mon petit alpha de ce soir. C'est bien. Hein. Par contre, j'ai plus de balles. Hein. J'avais 100 balles. Hein. 100 cartouches. Ça a utilisé la moitié de mon fusil. Combien que ça va me coûter pour le réparer, mais ça va être cher. Ou pour l'instant il me coûte combien là? 409 lingots ça me coûte là pour l'instant. 563 ciment, 589 polymères. Vas-y, laisse tomber. Attends. Wow. Salut Rem, comment vas-tu? PC pour deux, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, Ah, ouais, d'accord, si c'est le sien, bah ouais. Spécial pour tous les devoirs, si on fait des événements. Ouais, d'accord, Dark. Ça va, Rem. Ah, tu te fais virer par ton frangin alors. Ah, bah ouais, mais enfin, si c'est son PC, c'est déjà bien qu'il te le prête. Tu peux pas en avoir un, toi, foufou? Si tu travailles bien à l'école, je sais pas, non? Pas cool que t'aies ton PC, non? Ouais, Rem, hein, ça y est, hein, je vous ai pas attendu. Hein. Eh, oh, déjà hier, hein. T'as fini le boulot là, Rem? Ça y est, t'es rentré? Ouais, tout va bien, hein, sinon. Ça va, la santé, ça va. Un petit peu de minerai. Quand je vois combien il m'en faut pour réparer mon arme de précision, là. Chier, hein. Le chat, bah, il a mangé très très peu ce matin. Et bah, là, il est devant le chauffage, là, il dort. Donc, bon, il a mangé un petit peu. Donc, on s'est dit, bon, ça va peut-être. Donc, on attend demain. Si c'est pareil, bah, on l'emmène au véto. Hein. Ouais. Il a vomi encore, hein. Il a vomi un petit peu de sang. Ah, c'est un empoisonnement, hein, ça c'est obligé. Hein. Va voir demain. Ouais, j'en ai trois, foufou. On a trois chats. Je pense que ça peut piquer. Ah. C'est gentil, Rem. C'est gentil. J'en ai pris un à 21h30 quand même. Un vite fait. Hein. Ouais, il vomit du sang, foufou. Il n'est pas rentré une nuit parce qu'il rentre tous les trois le soir. Hein. Lui, il n'était pas rentré.
Donc mon épouse, elle s'est levée le matin, elle a été le chercher et tout. Il est sorti d'un jardin assez pas trop vivace, quoi. Il a refusé sa gamelle, donc on s'est dit, bon bah il a déjà mangé quelque part, hein, c'est obligé. Et puis après, il a vomi du sang, j'ai dit, bon bah ça c'est un empoisonnement. Voilà. Donc là, il a passé la nuit avec nous. Et ce matin, il est sorti. Et puis là, il est revenu, il est couché au chaud, il a mangé très peu, il a mangé un petit déj avec moi ce matin, et je lui ai donné du 4 quarts, il l'a mangé. On lui a donné de sa boîte, il l'a refusé. Donc voilà, c'est peut-être un empoisonnement, peut-être s'il refuse la boîte, c'est parce qu'il croit que c'est encore empoisonné. Ah, c'est possible, j'avais pas pensé à ça. Parce que je lui donnais à la main, mais mon 4 quarts, là, il le mangeait, vraiment, il bouffait mes doigts presque. Et là, la boîte, il a refusé. Donc, ouais, c'est possible. C'est vraiment. On nous en a déjà empoisonné pas mal quand on était sur le continent. Et là, ça recommence. Où qu'on soit, hein, quand les chats, ils dérangent, ils les empoisonnent. C'est pas possible. Vraiment des pourris. Hein. Après, il y a un chat qui vient dans le jardin. Je sais pas, moi, on lui balance un verre d'eau, quoi. Hein, comme ça, il revient plus, le chat. On les empoisonne pas. N'importe quoi. Ouais, du 4 quarts, ouais, foufou, ouais, c'est ce que je mange le matin, ouais. Non, on l'a pas emmené au véto encore, on attend encore demain. Hein. Parce que le véto, on a demandé, c'est une centaine d'euros en hein, direct. Hein. Ah, c'est bien. Hein. Il y en a qui vont dire, bah, fallait pas prendre d'animaux si t'as pas de sous. Ouais, non, je comprends bien, mais bon, ce sont des animaux qu'on a recueillis, hein, qu'on n'a pas été chercher et tout. Hein. C'est des chatons qui ont été abandonnés par leur mère. Et donc on a récupéré. Hein. On a récupéré trois comme ça. Hein. Chaton à peine sevré. Hein. Dans la rue. Hein. Voilà. Mais bon. Ça a un coût aussi. Hein. Bon, on les a stérilisés. Hein, donc le mâle, la femelle, on les a stérilisés. Puis le dernier qu'on a eu, là, qu'on a récupéré, on va le stériliser. Mais il faut attendre 6 mois. Hein. Faut que les coucougnettes y descendent. Hein, sinon, on peut pas. Hein. Donc c'est minimum 6 mois. Hein. Voilà, donc il a 2 mois et demi, 3 mois là maintenant. Donc on attend un peu, mais c'est un coût, hein, c'est cher. Il y a des gens, voilà. C'est bien. Et c'est par derrière, évidemment. Hein. C'est des petites boulettes derrière. Ou tiens, minou, minou, tiens. Hop, ils les amènent. Et puis hop, tiens, mange, mange. Et puis ils ont mis de la. Et puis après, ils les dégagent. Ouais, c'est répugnant, quoi. C'est répugnant. Donc pour l'instant ça va, il est couché, il se repose. J'ai tout fait le métal là? J'aurais tout fait déjà? C'est passé vite. Hein. On dirait. Hein. Ouais, c'est bien, je sais pas combien que j'en ai là. C'est pas doublé donc de pas y en avoir beaucoup. 2, 4, 6, 8, 920, ouais quand même. Ouais. Bah oui et non foufou hein. Pas très très grave pour l'emmener au véto de suite et un petit peu parce qu'il mange pas et il reste couché devant le chauffage quoi. Bon il respire bien, il a pas des manques d'air et tout ça, hein, ça va. Hein. Il ronronne, je le caresse, il ronronne. Bon. Le principal c'est qu'il boit et qu'il mange un peu. S'il boit plus, il mange plus, c'est que bon bah. Hein. Ou rien du tout, ça fait rien qu'un chat. Voilà. Non, le problème d'Arkino, c'est que les chats, ils font leurs besoins dans la terre, tu sais bien. Hein, soit ils font dans la litière, si c'est des chats qui restent à la maison, ou soit ils font à l'extérieur. Généralement, ils font dans les plates-bandes. Et puis, bah, quand ils font le jardin à la main, tu sais, bon, bah voilà, ils tombent dessus, ça sent mauvais et tout. Hein. Bon, il y a ça que ça les dérange. Il y en a, ils aiment bien voir les petits oiseaux chez eux. Hein. Les petits oiseaux, voilà, ils viennent, ils leur donnent des graines et tout ça. Et puis, bah, les chats, bah, hein, voilà. Donc, non, il y a plusieurs critères qui fait que, voilà. Bon voilà, moi s'il y a des chats et j'avais des oiseaux dans les cages, les chats ils venaient, bon, je prenais un verre d'eau ou je faisais... Ouais, je leur faisais peur comme ça, mais sans plus quoi.
c'est normal. Moi, on me balance un verre d'eau sur mon chat, je dirais rien, hein, normal. Hein. Je rigolerais même. Hein. Ça fait pas mal un petit verre d'eau. Mais après, de là, les empoisonner, les tuer, ouais. Ça c'est autre chose. C'est autre chose parce que ces gens-là, ils me font peur. Parce que s'ils font ça les animaux, ils peuvent faire ça des humains. Quoi. Ça c'est... Ouais. Ça me fait peur, quoi. J'ai un chat, il a toujours été... Ah ouais, ah oh purée. Il s'est fait percuter ou écraser, foufou? Enfin, que ça soit l'un ou l'autre. Et puis, il est pas mort. Par exemple, chez moi, ils font leur... Ouais, c'est ça, tu vois, une de mes fenêtres qui donne sur le jardin. J'essaie de les chasser par la peur, mais ils reviennent toujours. Bah, tu peux mettre du répulsif, Rem. Tu mets du répulsif, ça marche très bien, ça. Il y en a qui mettaient quoi, attends. Pas de Javel, faut pas mettre de Javel, ça les attire. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, mais faut pas mettre de Javel. Ah, je sais qu'il y a... Bon, il y a des répulsifs hein, qui sont vendus. Bon, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Moi, je sais que j'étais démarcheur. Hein, je vendais des aliments et des produits pour animaux. Et je vendais un répulsif. Moi, c'est les commerçants qui m'en achetaient beaucoup. Ils mettaient ça devant leur magasin pour les chiens qui lèvent la patte devant une pharmacie, par exemple. Bon, tu vois, ça fait croire. Devant un fleuriste, pareil. Hein, ils mettaient ça sur le trottoir et tout. Les chiens, boum, ils allaient direct. Ils lèvaient plus la patte. Hein. Donc tu as des répulsifs, hein. Du poivre peut-être, du poivre ou du vinaigre blanc, essaye le vinaigre blanc, il me semble que c'est du vinaigre blanc. Regarde sur internet répulsif pour les chats chiens, Rem, regarde, tu verras, t'as un truc pas cher, le vinaigre blanc ça vaut que dalle, hein. C'est quoi 80 centimes le litre et à peine, encore, et encore, 50, ouais, une cinquantaine de centimes, une cinquantaine de centimes, ouais. Regarde, tu verras, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne, hein. Ouais. Tu les mets juste devant ta jardinière, hein, pas dedans, hein, tes plantes ils vont peut-être pas aimer après. Ça marche pas. Ah bon? Pas mal, mais il revient. Ouais, bah ça dépend le répulsif. Mais regarde un truc. Regarde comme le vinaigre. Par... Regarde sur internet. Vinaigre blanc, je crois que c'est ça. Ou du poivre aussi. Il y a du poivre. Mais du poivre. T'as essayé le verre d'eau, Rem? Le vinaigre aussi, ça n'a pas trop fonctionné. Ah d'accord, ok, bon. Le verre d'eau, ça a horreur de l'eau, les chats. Moi, je sais que j'avais un petit chien qui venait dans mon jardin, là. Et puis j'ai pris un verre d'eau, j'en ai mis qu'une seule fois, hein, et jamais revenu. Jamais. Le verre d'eau, ou alors, tu sais, t'as des... Des lance-eau, tu sais, les enfants, ils jouent à la plage, tu sais, tu comme ça, puis c'est une sorte de pompe, t'envoies un jet d'eau, le machin, tu vas voir, il va décarrer, il va pas revenir, hein. Il va pas revenir. Ou alors, s'il revient, après, tu lui montres rien que le truc du jet d'eau, là, que t'as fait, il va voir le truc, il va se barrer. Ah, mais c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant, j'espère que je choque personne avec ça, hein. C'est de l'eau, hein. Ah, il est mort, purée, ouais, j'avais pas vu, foufou, ah, purée, sur le coup, oh là là. Parce que je sais pas hein, s'il en a fait exprès, mais ici, quand ils voient des chats, il y en a qui accélèrent pour les écraser. C'est fou, hein, c'est fou. Mais c'est partout, hein, voilà, hein, soit sur le continent, en Corse ou ailleurs. Hein, y a des gens, ils sont malades, hein, ils sont tarés. Hein. Je sais pas, c'est... Ils devraient s'isoler, on devrait les isoler ces gens-là. Hein. S'ils aiment pas les animaux, faut les isoler, il y en a partout des animaux. Ouais, le tuyau, ouais, Rem, hein. Et essaye, tu m'en diras des nouvelles. Hein. Pas méchant, hein. Ah, j'ai faim, j'ai pas mangé. J'ai pas pris à manger. Attends, il y a Patricia, il m'a écrit, j'ai même pas... Je vais à la grande montagne, ok. Attends, ça... Tribu. Ok. Moi, je... reviens... de la petite. Voilà.
Ok, on vient quand même discuter avec mon épouse, quand même, hein? Moi, j'en ai un chez moi, il n'aime pas aller dehors, il a peur, et moi, ça me... Oh, ouais, il y a des chats, ils sont vachement peureux, et ils veulent pas sortir. Ouais, exact, ouais, tout à fait. Parce qu'il a été habitué à chez toi, hein, ton appart, hein. Ouais. Mais nous, on peut pas y garder. On a un grand jardin, on ouvre tellement il fait chaud et tout, et bah ils sortent, hein, ils sortent, on peut pas, nous, hein, c'est pas possible. Hein. On peut pas les contenir dans la maison. Hein. Alors, généralement, nous, ils sortent la journée et ils viennent dormir la nuit avec nous, hein, au pied de notre lit ou sur notre lit. Hein, c'est pas sale, un chat. Hein. Voilà. Et bah avant-hier, l'autre est parvenu, hein, ou avant-avant-hier, je sais plus. Tu mets de l'huile essentielle. Ah, l'huile essentielle, très bien, foufou, exact. Ouais, Rem, de l'huile essentielle. Bon, c'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est lequel? C'est pas l'huile essentielle de... Comment s'appelle ça? Ah, à chaque fois, je cherche le mot, là. Pour les hortensias, c'est les autres. Géranium. Essaye l'huile essentielle. Géranium, c'est ça, foufou, non? Hein? Il me semble c'est l'huile d'essentiel de géranium. Alors ça a une odeur, je te dis pas. Tu mets 2-3 gouttes, waouh. Ah ouais, là, les chats, ils... Ah ouais, l'huile d'essentiel, ouais. Faux. Faux. Ah ouais, FAUX. Reprends les mots. Ah, tu sais plus, d'accord, ok. Non, mais en regardant sur Internet, je pense qu'on va trouver quelque chose. Hein. Ah, faut que je finisse mon épisode là. Merci de m'avoir suivi à cet épisode et je vous donne rendez-vous un prochain. Ciao, ciao, bye bye.